projet de l'école Joliot Curie, Pablo Picasso, est certainement le plus emblématique, le plus passionnant. Drancy, vous le savez, est marqué par la Deuxième Guerre mondiale. Il a donc fallu un travail approfondi avec l'architecte des bâtiments de France, puisque l'isolation par l'extérieur était impossible. On a, en 2018, isolé ces bâtiments, c'est-à-dire qu'on a changé les fenêtres, on a fait de l'isolation par l'extérieur et on a mis un réseau de chaleur. Des matériaux biosourcés, la laine de bois et le liège pour les parties basses des murs qui touchaient le sol. C'est une résidence des années 60 avec plus de 300 logements qui ont réalisé une rénovation globale et surtout ils sont passés d'une étiquette D à une étiquette B. Plus de 57% d'économies réalisées avec plus de 150 000 euros d'économies dès cet hiver. Les raisons du succès de cette rénovation énergétique dans la ville, ça a d'abord été une grande implication politique de toute l'équipe et des maires successifs de Jouy-en-Josas. C'est d'avoir une équipe municipale composée de femmes et d'hommes de terrain, associés à des équipes techniques compétentes et ambitieuses. C'est d'abord la recherche d'expérience, de compétences et d'expertise à l'extérieur. Informer parce qu'aujourd'hui, différentes campagnes de communication ont été réalisées pour que les propriétaires puissent se saisir de cet enjeu. Former les grosses copropriétés, les bailleurs sociaux, les conseils syndicaux. La stratégie de l'agglomération, elle est très simple. Elle vise à s'appuyer sur le fait qu'on doit apporter un réel service aux habitants, aux communes et aux entreprises pour qu'ils puissent s'approprier les enjeux de la rénovation énergétique. Donc la communication, la lisibilité sont un axe fort de notre stratégie pour que l'ensemble des dispositifs qui existent à l'échelle départementale, régionale, nationale ne constituent pas un frein à la mise en œuvre de projets de rénovation énergétique.